je pense que nous avons beaucoup, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, nous avons eu beaucoup d'avancées sur la question du Sahara, avec aussi toutes les consulats. Ils sont maintenant 28 consulats étrangers qui sont installés dans nos provinces sahariennes. Donc, il y a des avancées, mais il faut continuer à rester vigilant parce que malheureusement, nos adversaires, il faut les citer, c'est l'Algérie, bien sûr, avec aussi l'Afrique du Sud et quelques autres pays, n'ont pas déposé les armes, comme on dit militairement. Et donc, il faut continuer à lutter diplomatiquement, mais aussi par le développement des provinces sahariennes. Et ça, c'est très important. Avec un budget de 77 milliards de dirhams a été donc fourni aux provinces du Sud. Et c'est vrai que ces provinces, et surtout les villes de Dakhla et de Laayoune, ont complètement changé. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est allier la démocratie, la diplomatie au développement.